parler ce soir de la nécessité de porter la croix. This evening we are going to talk about the necessity of bearing the cross. Lis pour nous Luc chapitre 14 verset 27. Someone read for us Luke 14 verse 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Amen. Porter la croix parle du chemin de la souffrance pour Christ. Carrying the cross talks about the way of suffering for Christ. La souffrance pour Christ est une promesse de Dieu. Suffering for Christ is a promise from God. Tous ceux qui suivent Jésus en esprit et en vérité seront méprisés, maltraités, haïs. C'est ça qu'on appelle la croix. Those who follow Jesus in spirit and in truth will be despised, insulted. That is what is called the cross. La croix symbolise donc l'ensemble des souffrances que le croyant doit endurer dans sa marche avec Christ. The cross is all the suffering that the believer must go through in his walk with Christ. Depuis l'époque des apôtres, from the time of the apostles, la croix était présentée comme le chemin de la victoire, comme le chemin du brisement et le chemin de la victoire. The cross was presented like the way of victory, the way of brokenness. Pour les apôtres, c'était nécessaire. For the apostles, it was necessary. Selon qu'ils l'avaient appris de Christ. And that is what they learned from Christ. Lis pour nous Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu 10, verse 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Matthew 10, verse 22. All men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved. Amen. Donc, si quelqu'un s'engage à suivre Jésus, if someone commits himself to follow Jesus, en esprit et en vérité, in spirit and in truth, il ne doit pas fuir les souffrances qui en découlent. He should not run away from the suffering which comes with it. Il doit les supporter. He has to bear them. C'est une marque de l'appartenance ou de la ressemblance à Christ. It is a mark of resemblance to Christ. C'est une preuve que tu as emprunté le même chemin que ton maître. It is a proof that you've taken the same way like your master. Lis pour nous 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Et 13. 1 Peter 4, verse 12 and 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Amen. Il dit bien, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. He says, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. La fournaise, les souffrances sont là pour nous rendre parfaits. Sufferings are there to make us perfect. Nous devons les accepter. We have to accept them.
Elles sont pour chaque croyant une promesse de Dieu. They are for each believer a promise from God. Lisons un autre passage dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1. 1 Peter 4, verse 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. Amen. Pour devenir et demeurer disciple, to be and to remain a disciple, il faut activement, il faut volontairement s'attacher à tout ce qui est dur, tout ce qui te conduit à la mort. We have to au sens spirituel, bien sûr. We have to actively and voluntarily attach ourselves to all that is hard, to hardship and what leads us to death. De même qu'il est demandé d'aimer Dieu d'un amour suprême, il est demandé aux disciples d'aimer les souffrances, de ne pas les mépriser, de ne pas les fuir, de ne pas les craindre, de ne pas mépriser celui qui souffre à cause de Christ. As the Bible asks us to love God with a supreme love, it also asks the disciples not to run away from suffering and not to despise those who are suffering for the cause of Christ. La plupart veulent être bénis sans souffrir. Most people want to be blessed without suffering. La plupart oublient même que la souffrance est une condition pour devenir, que accepter la souffrance est une condition pour demeurer disciple, pour devenir et demeurer disciple. Most people forget the fact that accepting suffering is a condition to be and to remain a disciple. L'apôtre Pierre dit, ne regardez pas la souffrance comme une chose étrange. Apostle Paul said, don't look at suffering like something strange. Comme quelque chose d'étrange qui vous arrive. Like something strange that is happening to you. La souffrance est là pour vous épurer, pour vous éprouver. Suffering is there to put us on trial. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ, Jesus, will be persecuted. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. All those who want to live a godly life in Jesus Christ will be persecuted. Ils seront persécutés. They will be persecuted. Quand le Seigneur Jésus enseignait sur les béatitudes, when the Lord Jesus Christ was teaching on the Beatitudes, il a dit que ce que les gens loup, ce que les gens félicitent sont en danger parce que c'est comme ça que les hommes faisaient aux faux prophètes. He said, on les couvrait d'éloges. He said, what people congratulate, what people clap for, is what people are engaged or committed to, because this is what they used to do to the prophets. Pendant que les vrais prophètes, comme les Jérémie, souffraient d'extrêmes persécutions. This is what they used to do to the fake prophet. Meanwhile, the true prophet like Jeremiah were suffering, going through persecutions. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Those who want to live a godly life will be persecuted. Le monde va toujours persécuter ceux qui ne sont pas du monde. The world will always persecute those who are not from this world. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et la parole de Dieu présente les souffrances comme une voie pour vaincre le péché. And the word of God presents suffering like a way to overcome sin. Ceux qui ont souffert selon la chair ont fini avec le péché. Those who have suffered in the flesh has put an end to sin. Et il dit, armez-vous donc de la pensée de souffrir. He said, arm yourself with the thought of suffering. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée.
Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Because he who has suffered in his body is done with sin. Quand tu fuis la souffrance, when you run away from suffering, ta chair reste vivante. Your flesh, your body is alive. Ton égoïsme reste vivant. Your self-centeredness is alive. Ton orgueil reste vivant. Your pride is alive. Tu as fui la souffrance. You've run away from suffering. Tu as fui le traitement divin. You've run away from the divine treatment. Parce que la croix ne vient pas du diable. Because the cross doesn't come from the devil. La croix a été donnée par Dieu lui-même. The cross was given by God himself. Par la voie par laquelle il devait briser son fils. It was the way through which God was going to break his son. Pour qu'il accomplisse le dessein de Dieu, le dessein de la rédemption. So that he can accomplish the purpose of God, the purpose of redemption. Il a été brisé par la souffrance. He was broken through suffering. Prends pour nous Isaïe chapitre 53. Isaiah 53. Nous allons le lire jusqu'au du verset 1 au verset 12. Verse 1 to 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il, c'est Jésus-Christ. Him is talking about Jesus Christ. Continue. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. He had no beauty nor majesty to attract us to him. Et son regard n'avait rien pour nous plaire. Et son regard n'avait rien pour nous plaire. Nothing in his appearance that we should desire him. Méprisé et abandonné des hommes. Il était méprisé, il était abandonné des hommes. He was despised and rejected by men. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il était un homme de douleur, il était un homme habitué à la souffrance. Un homme de douleur, un homme habitué à la souffrance. He was a man of sorrow and familiar with suffering. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le regard. Like one from whom men hide their faces. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. He was despised and we esteem him not. On l'a méprisé. He was despised. Cependant, surely, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. He took up our infirmities. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. And carried our sorrows. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. He took up our infirmities. Il s'est couvert de nos douleurs. And he covered himself with our sorrows. Et continue. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. And yet we considered him stricken. Frappé de Dieu lui-même. Smitten. Et humilié. Smitten by God and afflicted. Mais il était blessé pour nos péchés. But he was pierced for our transgressions. Brisé pour nos iniquités. He was crushed for our iniquities. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. The punishment that brought us peace was upon him. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. And by his wounds we are healed. Nous étions errants comme des brebis. We are like sheep.
Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Have gone astray, and each of us has turned to his own way. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. He was oppressed and afflicted. Et il n'a point ouvert la bouche. Et il n'a point ouvert la bouche. Yet he didn't open his mouth. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. He was led like a lamb to the slaughter. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. And as a sheep before her shearers is silent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. So he did not open his mouth. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Et le châtiment. By oppression and judgment, he was taken away. Et parmi ceux de sa génération. Et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des qui vivants? Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? And who can speak of his descendant? For he was cut off from the land of the living. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Et frappé pour les péchés de mon peuple. For the transgression of my people, he was stricken. On a mis son sépulcre parmi les méchants. On a mis son sépulcre parmi les méchants. He was assigned a grave with the wicked. Son tombeau avec le riche. Son tombeau avec les riches. And with the rich in his death. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Though he had done no violence. Et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Nor was any deceit in his mouth. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Écoutez, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Listen, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. And though the Lord make his life a guilt offering. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. He will see his offering and prolong his days. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. And the will of the Lord will prosper in his hand. À cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. After the suffering of his soul, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ses regards. He will see the light and life and be satisfied. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. By his knowledge, my righteous servant will justify many. Et il se chargera de leurs iniquités. Et il se chargera de leurs iniquités. And he will bear their iniquities. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Therefore, I will give him a portion among the great. Il partagera le butin avec les puissants. Il partagera le butin avec les puissants. And he will divide the spoil with the strong. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Because he poured out his life unto death. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. And was numbered with the transgressors. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. For he bore the sin of many. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Et qu'il a intercédé pour les coupables. And made intercession for the transgressors.
Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap offering for Jesus Christ. Vous voyez, tout son ministère. Can you see all his ministry? Est fondé et basé sur la souffrance. Was founded and based on suffering. Toutes ses victoires. All his victories. Sur la souffrance. On suffering. C'est pour cette raison que les apôtres, comme Paul, se réjouissaient de la croix. That is why apostles like Paul were rejoicing over the cross. Ils disaient que la croix était leur force, leur puissance. They were saying that the cross is their power, their might. Et chez eux, il n'y avait pas de honte à souffrir pour Christ. And for them, it was no shame suffering for Christ. Comme Dieu a planifié, nous venons de le lire ensemble. Comme Dieu a planifié la souffrance pour son fils Jésus. We just read it together, the way God planned suffering for his son Jesus Christ. C'est de la même manière qu'il a planifié la souffrance pour chacun de nous. It is the same way God has planned suffering for each one of us. Tout ce que tu dois accomplir. Everything that you must accomplish. La main du Seigneur sera sur toi. The hand of the Lord will be on you. Pour que tu puisses l'accomplir à partir d'un brisement. So that you can accomplish it going on the base of brokenness. D'un brisement. Brokenness. D'une douleur. From suffering. Enveloppé de la souffrance. That is wrapped in suffering. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. It pleased God to break him through suffering. Parfois quand tu pleures, alors que Dieu se donne le plaisir de te faire souffrir, toi tu pleures, tu penses, tu veux qu'il ait pitié de toi. Sometimes you cry, why God is happy to see you suffering and you think he has mercy on you. Lis pour nous 1 Pierre chapitre 1. 1 Peter 1, verset 3, verse 3 à 7. To 7. On peut me continuer jusqu'à 9, 3 à 9. 1 Peter 1, 3 to 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. La louange, la gloire et l'honneur. Praise, glory, and honor. Voilà ce qui est programmé pour chacun de nous. That is what is planned for each one of us. Si nous acceptons d'être éprouvés pendant notre ministère terrestre. If we accept to be tried during our earthly ministry. Si tu ne te plains pas. If you don't complain. Si tu ne murmures pas. If you don't murmur. Tu peux accepter la croix, mais en murmurant chaque jour. You can accept the cross, but murmuring every day. Il faut l'accepter selon le modèle de Christ. You have to accept it according to the model of Christ. Muet devant ceux qui le tondent. Being quiet in front of those who share him. Opprimé, méprisé, insulté, il n'a point ouvert la bouche. He was oppressed, despised, insulted. He didn't open his mouth.
Il y a des gens qui perdent les bénédictions divines. There are some people who lose divine blessing. Parce qu'on l'a provoqué, peut pleurer toute la vie. Donc pour lui, Jésus n'est même plus rien. Because he was provoked, he can cry the whole life. For him, Jesus is nothing. Quand, si tu fais ça, tu as rejeté la croix devant If Dieu. You do that, you've rejected the cross before Et tu God. Tu n'auras aucune bénédiction. Toutes les bénédictions que Dieu donne à ceux qui supportent les souffrances, tu n'en auras pas. All the blessing God has prepared for those who suffer. Parce que il est dit de Jésus, il est dit que it is said of Jesus, comme Jésus a accepté cette souffrance, since Jesus accepted suffering, et qu'il s'est même mis à prier pour ceux qui étaient coupables, and he even prayed for those who was his transgressors, ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont tué, il a prié pour eux. Those who persecuted him and killed him, he prayed for sans them. Les maudits, sans les haïr. Without cursing or hating them. Dieu lui a donné sa part avec les grands. God gave him his share with the great. Si tu supportes, if you bear joyeusement, happily, les épreuves, trials, la fournaise ardente, in fire, qui est au milieu de nous pour nous purifier, which is in our midst to refine us, tu auras ta part avec les grands. You're going to have your portion with the tu great. Auras ta part avec les grands. You're going to have your portion with c'est the great. Ça, c'est une condition pour devenir et demeurer disciple. It is a condition to be and to remain a disciple. Tu dois accepter la croix. You must accept the cross. C'est Dieu qui a créé la croix. It is God who created the cross. Ce n'est pas le diable. It is not the devil. La croix accomplit les desseins de Dieu. The cross accomplishes the purpose of c'est God. À la croix que c'est à la croix et avec la croix que Jésus a accompli les desseins de Dieu. It is on the cross and with the cross that Jesus Christ accomplished the purpose of God. Lis pour nous Philippiens chapitre 1 verset 29 et 30. Philippiens 1, verse 29 and 30. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Amen. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Amen. Écoutez ce que l'apôtre dit. Listen to what the apostle says. Commence au verset 28. Starting from verse 28. Sans vous lasser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. La persécution à cause de Christ est une marque, c'est un signe de salut. Persecution because of Christ is a sign of salvation. C'est un indice, ça montre que cette personne est sauvée. It is a sign of salvation. It shows that this person is saved. Et la fuite de la persécution est une preuve que tu fuis la condition d'être disciple. And running away from persecution is a proof that you are running away from the condition of being a disciple. Tu ne veux pas être traité comme Jésus. You don't want to be treated like Jesus. Ça veut dire que tu aimes le monde. It means that you love the world. Tu veux les honneurs du monde. Absolument. You want the honors of the world. Quand on te dit que Christ est en toi, c'est pour cette raison que tu souffres. Tu te fâches même. When they say Christ is in you and it is for this reason that you're suffering, you get angry. Tu veux tout dans ce monde et tu veux Jésus au-dessus. You want everything in this world and you want Jesus on top. Ceux qui te persécutent, those who persecute you, montre par là, they portray qu'ils ne sont pas sauvés, that they are not saved. C'est une preuve de perdition pour eux. It is a sign that they will be destroyed. Et toi qu'on persécute,
And you who is being persecuted, c'est une preuve de salut. It is a sign of salvation. C'est écrit dans la Bible. It is written in the Bible. Ce n'est pas une exhortation pour te flatter. We are not just encouraging you or flattering you. C'est un effort conscient de ramener chacun à s'attacher au traitement de Dieu. It is a conscious effort to bring each one to be attached to the treatment of God. Accepte ce qui t'arrive au nom de Jésus. Accept what is happening to you in the name of Jesus. Accepte ce que tu endures à cause de Christ. Accept what you are going through because of Christ. Quant à vos adversaires, talking about those who oppose you, il ne faut pas être effrayé. You should not be frightened. Pour eux, for them, c'est une preuve de perdition. It is a sign that they will be destroyed. Pour toi, for you, une preuve de salut. It is a sign that you will be saved. Écoutez le verset 29. Listen to verse 29. Et cela de la part de Dieu. For it has been granted to you on behalf of Christ. De la part de Dieu. On behalf of God. Ça vient de Dieu. It comes from God. Ce traitement. That treatment. Vient de Dieu. Comes from God. Le rejet de ta personne. The rejection of your person. Vient de Dieu. Comes from God. Le mépris des païens. Pagans despise you. Les insultes, les injures. The insults. Dont on te couvre. All that they put on you. À cause de Christ. Because of ça vient Christ. De Dieu. Comes ça from vient God. De Dieu. Comes from et God. Et cela de la part de Dieu. And this on the behalf of God. Car il a été fait, il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Not also to believe on him, but also to suffer for him. Il vous a été fait grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. You've had the grace not only to believe in him, but to suffer for him. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Embrasse la croix. You have to embrace the cross. Et porte-la. You have to carry it. Tous les jours, chaque jour. Every chaque day, jour. Every porte-la. Day. Carry the porte cross. Ta croix. Carry the c'est cross. La volonté de Dieu. It is the will of ça God. Vient de Dieu. It comes ce from n'est God. Pas une attaque du diable. It is not an attack from the la devil. La croix n'est pas une attaque du diable. The cross is not an attack from the la devil. La croix c'est une œuvre divine pour ton salut. The cross is a divine work for your salvation. Il est dit du Christ lui-même. It is said about Christ. Qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. That it pleased God to break him through suffering. Le Père éternel. Le Père éternel. The Heavenly Father. Savait que la victoire de Christ. Knew that the victory for Christ. Et le salut de l'humanité. Was the salvation for humanity. Demandait la mort de Jésus à la croix. Needed the death of Jesus Christ on the cross. Jésus a prié toute la nuit. Jesus prayed all night. Pour que le Père éloigne de lui cette coupe-là. So that the Father would take away from him that cup. Le Père n'a pas exaucé. But the Father did not answer. Ça vient du Père. It comes from the Father. De la part de Dieu. It comes from de the la part Father. De Dieu. On the behalf car of the Father. Il vous a été donné non seulement de croire en Christ. It was given to you to believe in him. Mais de souffrir aussi pour lui. But to suffer also for him. Le croyant ou le groupe de croyants. The believer or the group of believers. Qui va enlever, qui va soustraire la croix. Who is going to subtract or remove the cross. Entre dans la mort en même temps. Enters into death. Il n'y a pas de victoire hors de la croix. There's no victory out of the cross. Pas de victoire de la croix. No victory out of the cross. Lisez pour nous 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. 1 Corinthians 1 verse 17. 17 et 18. 17 and 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen.
For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom. Let the cross of Christ be empty of its power. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Alleluia. Praise the Lord. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. The message of a cross is a foolishness to those who are perishing. Mais, but, pour ceux qui sont sauvés, pour nous, but to us who are saved, elle est une puissance de Dieu. It is a power of God. Elle est une puissance de Dieu. It is the power of God. Les insultes que tu fuis là, the insults you are running away from, c'est la puissance de Dieu que tu es en train de fuir. You are running away from the power of God. La croix est la puissance de Dieu. The cross is the power of God. Ne fuis pas la croix. Don't run away from the cross. Tu fuis la croix, tu restes dans la perdition. You run away from the cross, you perish. Que ce soit dans la prédication ou dans la vie, dans la manifestation de la vie de Christ. Be it in the preaching or the manifestation of the life of Christ. Que ce soit dans la prédication ou dans la souffrance au quotidien. Be it in the preaching or daily suffering. Quand tu enlèves la souffrance de la prédication, tu as enlevé la croix de la prédication. When you remove suffering from preaching, you have removed the cross from the preaching. Si tu prêches, if you preach, tu enlèves tout ce qui énerve les gens. You remove all that angers people. De telle sorte que quand les gens te rencontrent, in such a way that when people meet you, ils te disent, toi tu prêches bien. They tell you, you're preaching good. Tu n'es pas comme tes frères. You're not like your brethren. Qui sont là seulement pour condamner, pour dire repentez-vous, repentez-vous. They are just there to condemn and say repent, repent. Si les gens te félicitent, if people congratulate you, parce que tu ne les troubles pas, because you don't trouble them, en disant le moi, le moi, le moi, by saying self, self, self. Ça veut dire que tu as enlevé la croix de ton message. It means that you will remove the cross from your message. Si tu pleures quand les gens t'insultent, if you cry when people insult you, ça veut dire que l'amour des gens du monde te manque. It means that the love of the people from the world, you're missing it. Et que l'amour de Christ ne te suffit pas, ne te dit rien du tout. And that the love of Christ is not enough or doesn't mean anything to you. Un jour, Dieu peut décider qu'il va te livrer au monde pour que le monde te félicite. And one day, God can decide to hand you over to the world so that they can congratulate you. Et ils vont te féliciter, tu vas mourir pour rien. And they will congratulate you and you're going to die for nothing. Mais si tu porte la croix, but if you carry the cross, tu deviens riche. You become rich. Tu entres dans la victoire. You enter inside victory. Tu entres dans les desseins de Dieu. You enter in the purpose of God. Et quand tu marches, and when you walk, Dieu sera avec toi. God will be in you. Dieu sera avec toi. God will be with you. Et il va soutenir ton œuvre. And God is going to support your work. Il va soutenir ton œuvre. He's going to support your work. Quand tu portes ta croix, when you carry your cross, tu ne peux pas voler la gloire de Dieu. You cannot steal the glory of God. Quand tu portes la croix, when you carry the cross, tout ce que tu fais est pour la gloire de Dieu. Everything you do is to the glory of God. Tout ce que tu fais est pour la gloire de Dieu. Everything you do is for the glory of God. La parole dit au verset 30. In verse 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption.
It is because of him that you are in Jesus Christ, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. On devait même ajouter le verset 31 qui dit, we will add verse 31. Afin que, comme il est écrit, therefore, as it is written, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Let him who boasts, boast in the Lord. Quand on porte la croix, when we carry the cross, notre joie, c'est en Jésus-Christ. Our joy is in Jesus Christ. Notre joie parfaite, c'est en Jésus-Christ. Our perfect joy is in Jesus Christ. Il faut accepter. We have to accept. Ou alors, il faut comprendre divinement ce qui t'arrive. Or we have to understand divinely what is happening to us. Et il faut demeurer sous ce régime-là. And we have to remain under this treatment. Ne te force pas de t'éloigner de la croix. Don't struggle to run away from the cross. Ne le fais pas. Don't do it. Si tu as haï ceux qui te persécutent, if you hate those who persecute you, tu es en train de commettre une erreur. Repens-toi et prie pour eux. You are sinning. You better repent and pray for them. Et porte ta croix. And carry your cross. Et je te dis par révélation, and I'm telling you through a revelation, que tous les sujets de prière que tu as élevés, that all the prayer topic you've lifted up to God, et ce que tu comptes élever, and those prayers that you think you want to lift up, tu vas remarquer une chose. You're going to notice one thing. Ceux du passé n'ont pas été exaucés. The ones you've prayed in the past have not been answered. Ceux du futur ne seront jamais exaucés. And the ones you're going to pray in the future will not tous be les answered. Sujets qui demandent à Dieu d'éloigner de toi la croix ne seront jamais exaucés, jamais exaucés. All the jamais, prayer jamais, topics jamais. That is asking God to take away the cross from you will never be answered. Tu ne peux pas prier plus que Jésus. You cannot pray more than Jesus. Jésus a dit, Jesus said, quand il devait ressusciter Lazare, when he had to bring back Lazarus to life, dit, oh Père, je sais said, que tu m'exauces toujours. He said, oh Father, I know that you always answer me. Sauf, c'est moi qui le dis de cette manière-là, sauf quand il a prié que la coupe s'éloigne. Now I say it with my own words, except the time that he prayed that God should remove the cup. Parce que la parfaite volonté de Dieu, because the perfect will of God, c'est que son fils meurt à la croix, is that his son dies on the cross. Et la parfaite volonté de Dieu pour moi et pour toi, and the perfect will of God for you and for me, c'est que nous portions notre croix, is that we carry our cross. Jésus a porté la croix. Jesus carried the cross. Je dois porter la croix. I have to carry the cross. Tu dois porter la croix. You have to carry the nous cross. Nous devons porter la croix. We have to carry the cross. Si tu pries, if you pray, pour le contraire, for the contrary, tu ne seras pas exaucé. You will not be answered. Tu ne seras pas exaucé. You will not be answered. Même la volonté permissive n'aura pas lieu. Avec la croix, il n'y a pas de volonté permissive. Even the permissive will not happen because with the cross, there's no permissive will. Il y a les petits sujets. You have some light topic. Pour lesquels le Seigneur peut accepter certaines volontés permissives. From le which Seigneur peut the accorder Lord, certaines volontés permissives. For which the Lord can accept his permissive will. Mais quant à la réalité de la croix qui conduit à la vie éternelle et au salut, Dieu ne peut pas déplacer les bornes. But according to the reality of the cross, which leads to eternal life and salvation, God cannot step out of the boundary of the cross. Les gens vont se moquer de toi. People are going to laugh at you. Les gens vont te mépriser. People are going to despise you. Il a dit, s'ils vous méprisent, c'est parce qu'ils m'ont haï. And the Lord said, if they hate you, it's because they hated me first. Si le monde vous hait, c'est parce qu'il m'a haï. If the world hates you, it's because they hated me. C'est clair. It is clear. Ils ne m'ont pas aimé, ils ne peuvent pas vous aimer. They didn't love me, they can't love you. Ils m'ont crucifié, ils vont vous crucifier. They crucified me, they will crucify you. Ils m'ont appelé Beelzebul, ils vont vous appeler Beelzebul. They call me Beelzebul, they will call you Beelzebul.
Ils ont menti. They lied. Sur moi, ils vont mentir sur vous. They lied against me, they are going to lie against you. Il a dit dans Isaïe 54, verset 15, si l'on forme de complot, cela ne vient pas de moi. He said in Isaiah 54, verse 15, that if they stand up against you, it doesn't come from me. Il y aura des complots contre toi. They are going to set traps against you. Ça ne vient pas de Dieu. But it doesn't come from God. Mais il a dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. He said, those who conspire against you will fall under your power. Ça peut vous étonner. It can surprise you. La croix est une position de faiblesse, de renoncement, de mort. The cross is a position of weakness, of renouncement, of death. Mais c'est là, cette mort-là, que Dieu utilise pour vaincre tes ennemis. But it is from that death that God uses to overcome your enemies. Tu es fort. You are strong. Quand tu es faible. When you are weak. Tu es fort. You are strong. Quand tu portes la croix. When you carry the cross. Quand tu fuis la croix. When you run away from the cross. Tu es faible. You are weak. Parce que tu n'as rien. Because you have nothing. C'est à la croix que tout a été accompli pour nous. It is on the cross that everything was accomplished for us. Dans les cris d'angoisse et de souffrance. But a shout of pain and suffering. Si tu acceptes la croix, if you accept the cross, tu ne perdras jamais. You will never lose. Tes ennemis vont se prosterner devant toi. Your enemies will come and bow down before you. Ils vont tomber sous ton pouvoir. They will fall under your power. Tes ennemis viendront et dit, Dieu va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. God will open doors that no one can close. Donc quand tu es faible, c'est là où tu es fort. It's when you are weak that you are strong. Dans le rejet, le mépris, la souffrance, la honte, l'ignominie, l'opprobre, c'est là que tu es honoré, loué, exalté pour l'éternité. In rejection, despise, in shame, in insult, that is when you're going to be honored for eternity. Et comment le sais-tu? And how do you know it? L'apôtre Paul l'a dit. Apostle Paul said it. L'esprit de gloire repose sur toi. That the spirit of glory rests on you. Les souffrances sont une preuve que l'esprit de gloire repose sur toi. Suffering are a sign that the spirit of glory is resting on you. L'esprit de Christ. The spirit of Christ repose sur toi. Rest on you. Il faut accepter. Écoutons les questions. Page 32. You have to accept. Let's listen to the questions. Les questions sont dans le livre Faire des disciples du professeur Zacharie Stanifomom. The questions are in the book Making of Disciples of Professor Zacharie Stanifomom. Édition Livre Chrétien, page 32. Edition The Christian Life, page 32. Tu lis, tu marques une pause pour que chacun puisse répondre dans son esprit oui ou non. Première question. Es-tu prêt à subir le chantage, à être raillé, insulté, réduit à un grade inférieur, emprisonné et tué à cause du Seigneur? Deuxième question. Jusqu'où as-tu déjà souffert pour son nom? Troisième question. En souffrant, t'es-tu réjoui du fait que tu as été jugé digne de souffrir le déshonneur pour son nom? Quatrième question. Es-tu prêt, si cela arrivait, à être renvoyé de ton service à cause du Seigneur Jésus? Cinquième question. Es-tu disposé, si cela arrivait, à être renvoyé de ta maison à cause du Seigneur Jésus? Sixième question.
Es-tu disposé à souffrir la perte de tout ce que tu possèdes pour lui? Septième question. Y a-t-il un commandement du Seigneur auquel tu n'obéis pas par crainte de ce que cela te coûtera? Cela peut être un commandement venant de la Bible ou d'une transaction personnelle entre Dieu et toi. Que feras-tu à ce sujet? Réalises-tu que si tu continues dans la désobéissance, même dans ce seul aspect, tu optes pour ne pas être son disciple? Huitième question. Qu'y a-t-il dans ta vie, ton emploi, ta famille, etc., que tu veux protéger à tout prix? Vas-tu l'abandonner maintenant? Donc, ces questions sont contenues dans ce livre que tu peux chercher à t'en procurer. The questions we just read are in the book, are in this book, and you can have it. Pour résumer la pensée sur la souffrance, sur la croix, sur la nécessité de porter la croix. To summarize the thought on the necessity of carrying the cross. Jésus a dit. Jesus said. Vous aurez des tribulations dans le monde. You are going to have tribulations in the world. Prenez courage. But be courageous. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. Jésus a dit. Jesus said. Vous aurez des tribulations dans le monde. You will have tribulations in the world. Il a dit, prenez courage. But be courageous. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. C'est une prophétie. It is a prophecy. Que devant toi. That before you, il y a les obstacles. You have obstacles. Mais ces obstacles ne peuvent rien contre les desseins de Dieu dans ta vie. But those obstacles can do nothing against the purpose of God Donc, in your prends life. Courage. So be courageous. Et avance. And move forward. Ta vie ne dépend pas des obstacles. Your life doesn't depend on the obstacles. Ta vie est dans les mains de Dieu. Your life is in the hands of God. Qui te dit marche? Who is telling you move forward? Il te dit n'écoute pas les moqueurs. He said don't listen to those who mock. N'écoute pas leurs railleries. Don't listen to their mockeries. Écoute l'exhortation de Dieu. Listen to the encouragement of God. Qui dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître? Who says that the disciple is not greater than his master? Qui dit que ce qu'on a fait à l'arbre vert, on le fera à l'arbre sec? Who says that what they did to the fresh tree, we're going to do it to the dry tree? Vous voyez? You see? Des milliers d'années après. Thousands of years later. Le nom de Jésus est proclamé sur toute la terre. The name of Jesus is being proclaimed over all the earth. Où sont les obstacles? Where are the obstacles? Où sont les crachats? Where are the spits? Où est la couronne d'épines? Where is the crown of thorns? Où sont les mensonges des gens qui mentaient ce jour-là? Il a dit. Where are the lies of those who were saying that they, he said that, he said this? Où sont les clous? Where are the nails? Où est la tombe? Where is the grave? Jésus a triomphé. Jesus has triumphed. Celui qui porte la croix. The one who carries the cross. A triomphé. Has triumphed. Il est déjà dans le triomphe. He's already in the triumph. Il doit demeurer dans le triomphe. But he has to remain in the triumph. Que cinq personnes viennent prier. Let five people come and pray. Seigneur, merci pour
cette parole. Merci parce que tu nous montres le chemin que tu as emprunté. Peut-être ne nous convoie pas vers des endroits inconnus de toi, mais tu nous montres le chemin de la croix. Oh Père, tu nous dis clairement que tu ne nous épargneras pas cette croix, Seigneur. Non, par méchanceté, mais par amour, parce que c'est le chemin pour être disciple, c'est le chemin de la gloire. C'est le chemin que tu as emprunté, c'est le chemin que tu as suivi, Seigneur. Nous sommes incapables de prier puisque Jésus, lui qui a prié, et tu as refusé, Père, de le soustraire à la croix. Nous aussi également, nous y allons passer. Seigneur, j'accepte ta croix. J'accepte la croix. J'accepte de porter la croix. J'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci de nous dire, oh Dieu, que la souffrance est l'une des conditions pour demeurer disciple. Oh notre Père, notre Dieu, que le chemin qui mène à la souffrance, oh notre Père, ton plan pour nous parfaire, oh ton plan pour être victorieux du péché, que c'est ce chemin sur lequel tu as placé ton Fils Seigneur pour triompher du péché de Satan. Nous te bénissons, notre Père. Je te suis infiniment reconnaissant et je prie pour accepter aujourd'hui, oh ce chemin, parce que c'est un traitement spécial pour ce que tu aimes. Merci pour ce traitement spécial que tu nous donnes pour arriver vers toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. J'accepte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, parce que la croix rentre dans tes desseins parfaits. Seigneur, tu utilises la croix pour épurer tes enfants, ceux que tu aimes, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, parce que même ton Fils, Jésus-Christ, tu l'as fait passer par ce chemin. Et aujourd'hui, Seigneur, il est célébré parmi les nations. Oh Seigneur. Seigneur, et toutes les insultes. Seigneur, et toutes les tribulations. Seigneur, tous les mensonges. On n'en fait même plus qu'à aujourd'hui. Seigneur, béni sois-tu parce que tes voies sont parfaites. Merci, Seigneur, pour le chemin de la croix que tu as choisi pour nous. Seigneur, nous acceptons, j'accepte de passer par le chemin de la croix. Oh Seigneur, comme condition pour être disciple, j'accepte de passer par le chemin de la croix. Seigneur, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Saint, merci pour ta volonté de me voir porter ma croix. Et tu m'apprends ce jour, tu me révèles que le diable n'est pas l'auteur de la croix. C'est toi, Seigneur. La croix vient de toi. Et je dois la porter pour devenir, demeurer disciple. Je dois la porter, Seigneur, afin de rendre parfait tes desseins en moi, afin que je sois épuré et conduit à la perfection. Seigneur, pardonne-moi la folie qui m'a habité, de fuir la croix, de refuser de porter la croix. J'accepte ce jour. Pendant que tu parles, oh, pendant que tu corriges mon cœur, je dis oui au port de la croix. J'accepte de porter ma croix chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de nous enseigner, de nous rappeler, Seigneur, que la souffrance vient de toi. Quelle est ta volonté parfaite pour nous, tes disciples, Seigneur? Merci, parce que c'est une preuve, c'est le témoignage que nous sommes sauvés. Et c'est le témoignage que ceux qui nous persécutent sont perdus. Seigneur, merci pour chaque souffrance que tu m'as accordé de supporter. Pour chaque épreuve, Seigneur, je prie que je garde présent dans mon esprit
que c'est là le chemin normal pour ceux qui t'appartiennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.